percepteur. Excusez-moi si j'ose, par la présente prose, vous décrire mon malheur. Je viens de recevoir vos fameux formulaires d'impôts sur les salaires, un pays sans retard. Monsieur le percepteur, c'est moi que je m'y oppose, mais ma vie n'est pas rose, et dans ma soupe, y'a pas de beurre. Je voudrais pas vous fâcher, pourtant faut que je vous le dise, je suis tellement dans la mouise que je ne veux pas payer. Depuis quelques années, votre brigade rôde pour trouver une fraude, des sous non déclarés. Ces gens-là devraient voir que je n'ai pas d'usine cachée dans ma cuisine, ni d'avion dans le placard. Je suis qu'un pauvre paysan, mais 10 hectares de terre, je les bêche avec la mer, et puis il n'y a pas de pétrole dedans. Alors je vous paye bien. Si un beau jour je craque, bah je fermerai la baraque. Et puis la Suisse, mais c'est pas loin. J'irai faire mon métier, oui monsieur, s'il le faut, hors de France. Ça me fait mal à la poche, mais ça vaut le mot de piété. Quand on ne peut pas payer, pourquoi voudrais-tu faire de l'acrobatie bancaire pour danser devant le buffet? S'il vous faut de l'argent, y'a un truc, tiens, que je vous le donne là. Les guerres, quand elles sont bonnes, ça rapporte toujours autant. Avant de terminer, je suis obligé de vous dire que je n'ai plus de tirelire. Je sais plus où je l'ai caché. Je ris, mais c'est nerveux.